Salut les mods, je suis revenu parce que j'ai la pêche, parce que je danse super bien, c'est comme ça. Je reviens aujourd'hui avec de la pop, et oui, parce que c'est cadeau, et parce que la boîte elle est là. Oui, si je la mets là, vous allez pas la voir. Et vous voyez, elle ferme pas la boîte, ça veut dire qu'il y en a plus qu'une. Aujourd'hui, on va parler de deux Graals que je rêvais d'avoir depuis des années. Vous avez vu le top 5 de mes Graals rêvés? Il y en a deux que je voulais, à tout prix. Déjà, merci à Nicolas qui m'a fait un échange avec mon Ikari, mon regretté Ikari limité à 500 exemplaires du Megazord. Je lui ai échangé contre le Graal Funko Pop que je voulais, tout simplement. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux qui vont s'afficher un peu partout en bas. Vous les avez aussi en description et vous avez aussi la chaîne Twitch de Jess si vous voulez vous abonner. Ça lui fera plaisir. Activez surtout la cloche pour ne rien rater parce qu'il y a de la pop pendant tout le mois et le mois d'après. Première pop, l'énigme, c'est la suivante. Je suis un acolyte de Shredder. Je ne suis ni un phacochère, ni un rhinocéros, ni un robot, ni un petit cerveau. Je suis un méchant, mais je suis plutôt inutile. Et je suis déguisé en ninja. Nous avons la pop du Foot Soldier. Alors là, c'est vraiment un rêve pour moi parce que, vous le savez, derrière, j'ai tous les méchants des Tortues Ninja. J'ai le Croco, j'ai Baxter Stockman la mouche, j'ai le Rhino Rocksteady, j'ai Bebop, j'ai Shredder. Il me manquait que lui en méchant. Mais il était tellement inaccessible pour moi et je suis tombé sur une offre sur eBay, les gars. Il est dans un protector case. Le protector case, c'est cette boîte en plastique qui protège extrêmement bien vos petites pop. Protector case que je vous avais présenté sur les réseaux. C'est un protector Heroes Protector. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Ils font des protectors pour une pop, pour des doubles, pour des grandes et pour d'autres types de figurines. Donc si vous êtes collectionneur et que vous voulez faire gaffe, voilà, vous pouvez y aller. Je vous montrerai plus en détail le protector sur le deuxième Graal. Voici le Soldier. Le Foot Soldier, c'est un ninja du Foot Clan. En gros, c'est des ninjas qui aident au Shredder et qui sont vraiment minables. Il peut y en avoir 10 et une tortue va les démonter. Alors, ça me fait énormément de mal. Voilà, j'ai dû sortir le Graal de la boîte. Je vais pas le laisser longtemps dehors parce que ça me fait peur. Mais voici, je vais vous le présenter, le Foot Soldier du Foot Clan de Shredder. Voici la pop de plus près. Ben, il a une tenue de ninja en violet comme ça, avec les avant-bras protection, avec le pied rouge sur le front hein, pour dire Foot, Foot Soldier en fait, voilà. Ça vient de là. Elle est vraiment sublime, cette pop. Avec l'étoile de ninja juste ici, les protections sur les bras en métal, les effets de plissure sur le foulard, sur le masque. Et du coup, le second Graal, c'est grâce à Nicolas, copain qu'on a rencontré sur, ben voilà, sur des groupes de collectionneurs Funko, qui est abonné à la chaîne aussi. Grâce à lui, j'ai eu Judge Dredd. Le juge Dredd, en gros, c'est, ben, comme je vous l'ai dit, le film des années 90. Le juge était interprété par Sylvester Stallone. C'est une pop qui vaut assez cher maintenant aussi. C'est pour ça qu'elle aussi, elle est dans un protector. Si vous regardez le film ou autre, vous allez pouvoir, ou lire le comics même, hein, vous allez pouvoir voir que la pop est vraiment ultra bien détaillée. C'est vraiment sublime. Vous allez peut-être pas voir grand-chose, mais sur le protector, il y a un relief marqué Heroes Protector. Donc, je sais pas si vous le voyez, mais bon, j'essaye de vous montrer ça comme je peu, mais le principal, il est là. Le principal, c'est cette pop magnifique de Judge Dredd avec le casque. C'est le seul dans sa collection et qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est magnifique, putain, je vais vous la sortir aussi de la boîte parce que c'est des pop en fait que j'aurais jamais pensé avoir dans ma vie dans la collection. C'est des Graals, vraiment, si vous avez des Graals, vous savez ce que c'est, hein. Quand vous les avez, vous êtes ultra content. On ne déconne pas avec ça, quoi, c'est des pop magnifiques, hein. C'est... que je remets tout de suite dans sa boîte parce que je me chie dessus à l'idée de l'esquinter. Donc voilà les amis, aujourd'hui c'était juste ces deux Graals. Je vous les remontre parce que c'est vraiment unique à posséder. Ces deux Graals, le Foot Soldier et le Judge Dredd, qui sont maintenant dans la collection des petits Mozzy. On est très très fiers de les avoir. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like de soutien. N'hésitez pas à aller voir la petite boutique Heroes Protector. Je vous mets le lien dans la description, évidemment, pour aller acheter vos protectors pour vos pop et autres figurines. Voilà, moi je vous dis à très très vite, c'était Jerem de Mozzy, et puis le bisou, voilà. Allez, ciao.